La question de recherche est la question à laquelle l'apprenti-chercheur va tenter de répondre. Elle est centrale dans le cycle de la recherche, car elle va être en dialogue avec les autres éléments, théorie, hypothèse, cas d'application ou terrain d'enquête et méthodologie. Comme toute recherche poursuit en général quatre objectifs, décrire, expliquer, critiquer, évaluer et enfin proposer, la question de recherche va généralement concerner l'objectif de comprendre, expliquer. Cela ne signifie pas qu'une question de recherche ne comprendra pas une description. En effet, un dicton dit qu'une bonne question de recherche commence par une bonne description. Cela signifie que de nombreux chercheurs commencent par décrire un phénomène afin de pouvoir identifier une question de recherche originale. La description a pour objectif de décrire les faits, les phénomènes sociaux, politiques, culturels, économiques et ainsi de suite. Ceux-ci peuvent être micro, à petite échelle, celle d'une famille, ou macro, à l'échelle d'une société par exemple. Elle permet aussi de classer ces faits, phénomènes, dans des typologies ou encore dans des catégories. La description va permettre de se poser la question de savoir si ce que l'on cherche à expliquer est semblable à d'autres phénomènes ou non. Elle va également permettre de mettre en évidence ce qui n'a pas encore été expliqué et ce qui mérite qu'un apprenti-chercheur s'attarde dessus. La question de recherche commence en général par la question du « pourquoi ». Une des difficultés dans les questions de recherche est de savoir si on étudie toutes les causes ou tous les facteurs d'un phénomène ou une partie de ceux-ci. En fonction de la formulation de la question, on distinguera deux types de questions de recherche. Celles centrées sur les facteurs ou celles centrées sur l'explication d'un phénomène dans son entièreté et donc de l'identification de toutes les causes. L'intérêt de ces deux types de questions de recherche réside dans l'évaluation des facteurs ou encore des causes qui produisent le phénomène que l'on veut expliquer. Dans le cas des facteurs, on mesure quel est l'effet de la cause X sur l'effet Y. La formulation de la question de recherche pourrait être la suivante. Le taux d'éducation a-t-il un effet sur le taux de chômage? Dans cet exemple, on cherche à connaître l'effet du taux d'éducation dans un pays, soit la cause X, sur le taux de chômage, soit Y, représentant le phénomène expliqué. Il est évident que cette question de recherche n'aborde pas toutes les causes du chômage, mais une seule d'entre elles. À l'inverse, si la question posée est la suivante, quelles sont les causes du chômage, ou encore, pourquoi le chômage existe-t-il, on s'oriente vers une question de recherche centrée sur le phénomène, car on essaie d'identifier un ensemble, plus ou moins complet, de causes à ce phénomène. La question de recherche a donc pour objectif de fournir une explication causale si possible en mettant en lien les facteurs afin de comprendre ou expliquer de manière plus ou moins approfondie les différents phénomènes que nous observons. Ces explications sont liées au cadre théorique. Une question de recherche peut être utilisée soit pour établir une théorie, soit pour tester une théorie. Il y a un troisième cas qui est celui de l'application de la théorie. Ce dernier cas relève plutôt du transfert de connaissances du milieu universitaire au milieu de la société ou de l'industrie. Par exemple, certains mécanismes de précarisation des individus sont connus et font l'objet de recommandations de la part des universitaires à l'intention des autorités afin de développer des politiques de lutte contre la précarisation.